Et après tout ça, me voilà donc arrivé dans la ville de Naivasha. Dernier réveil au campement, il est temps de dire au revoir à ma tante. Pour ce matin, notre guide nous a proposé deux choses. Soit d'aller refaire un tour d'environ 2 heures dans le parc pour voir quelques animaux avant de partir. Ou alors aller visiter un village Maasai dans les environs. Et comme on a déjà vu pas mal d'animaux entre le premier petit safari le premier jour et hier les 11 heures dans le parc, on a décidé d'aller voir le village Maasai. On a laissé nos affaires au campement et il y a un Maasai qui est venu nous chercher. On est parti à pied, on a marché une vingtaine de minutes et là on vient d'arriver devant son village. Donc ils habitent ici, ils sont environ 200. En gros, les Maasai, donc il y en a encore dans la région et c'est la seule tribu du Kenya qui a conservé ses traditions et son mode de vie jusqu'à aujourd'hui. Là, ils commencent par nous montrer une danse traditionnelle. Ça c'est ce qu'ils appellent la danse de bienvenue qu'ils font pour accueillir des invités dans le village. Ils appellent ça la danse du saut et le but c'est de sauter le plus haut possible pendant qu'ils dansent. For us Maasai, oh, you can just smell it. Yes. You don't have to even. Thank you. Yeah, you just rub your skin like this and no mosquito bite. And when the smoke of this, the mosquito they run away. Okay. So we call it yellow croton. Là, il va nous montrer comment ils font du feu. These are our lighter, our matches. We have this. We have, yes, this is a special wood. We have the cedar wood and sandpaper tree. Cedar is a soft one, and the sandpaper is the hard.
So the two wood here, we never, not easily to get around here. We get into our mountain actually. And now we see the wood, we make new hole. One here broken, we go to another new hole until this wood to be end. So this is our lighter, our matches. We use a knife under because it's a good conductor of it. And when the fire drove, they drove a knife. And then when you see a hole, some Maasai make some bang, like tattoo. See? Il a vraiment allumé un feu en 2 minutes chrono et là il veut que on essaye de le faire nous-mêmes à trois avec les autres. Ça me paraît compliqué. On va essayer mais pas sûr qu'on y arrive. Et voilà. Il dit toi. Allez moi où le. Ya. I hope you need a year practice. Yeah. You see now, when we are done with this, we come here. Then we go. Like, when we are done, it means now, when this thing is over. Bon bah, c'est un échec, hein. Franchement, on a essayé pendant 2 minutes à 3, pas une étincelle. Je sais pas comment ils font, c'est abusé. Et là, ils nous emmènent visiter les maisons dans lesquelles ils habitent. Voilà à quoi ça ressemble de l'extérieur. Des genres de petites huttes comme ça. Hello. Oh, yeah. We can come, yeah. Ok. Putain, on voit que dalle. Ok. Hello. Hello. So, guys, have a seat here? Yes, thank you. So, you're welcome. Thank you. This is my house. Okay. Where I live with the 4 children. Okay. 3 girls and 1 boy. We don't have any big windows because of mosquito. Yeah. So, but we do have the croton. Yeah. The okay. leaf that I gave you before. We saw before. Yeah. And we used to burn the leaf, and when the smoke of that, the mosquito they run away. And also, you see, I connect the electricity, but not yet work in my house. This is from the solar panel. Oh, okay. Yeah. Now, where is Lambay? Yeah, buddy. Sopa. Sopa is hello. Sopa. Sopa. Say Ipa, yeah. That's okay. The answer. Okay, Sopa. We are men polygamous. We can marry more than one wife. Okay. But it depends which religious you are. With many cows, many wives. And what language was that? It's Maasai. It's Maasai language. Maasai language. Yeah. Sola, we, right? Swahili, Sopa. Sopa, Sopa. Swahili, Mamayan. Mba. Mgedegra ulo. My daddy. Oh, okay. Sopa. Sopa. We don't kill a cow for the blood, actually. We know how to tighten the neck when it's alive. And I found special bone and arrow. We shoot at cow here in the rope. Couple of minutes, cow surviving. Okay. But we kill for meat. Yeah. You see, around our home, we don't grow any cash crop, like maize and bean. Because we are very close to the game reserve. So when I grow in maize, the elephant come and destroy. But we eat vegetable, but we don't have. We have to buy from other tribes. And also, we're keeping chicken as well at home. We don't keep because of meat and egg, no. We don't eat any meat of chicken and egg too. We're just keeping here, and we do butter trade. Okay. Extend with the other tribe to get a maize corn, yeah. Then I keep in chicken. Oh, okay. Yes. And someone have like a 2 wives, can have like a 2 houses like this. And I hope God willing at April have a new wife. Mm-hmm. How many wives? No wife. Zero. No wife. How old are you guys? 22. 23. Yeah. I'm so older than at what time you get married? When I was 24. 24? Yeah. Okay. Because okay. I circumcised when yeah. I was 15 years old. Okay. I go to the wild for 5 years. Uh-huh. And then I came, I celebrate for other 2 years. Uh-huh. So I'm now 35. Okay. Yeah. And how long been in Kenya? From 2 weeks.
2 weeks. Yeah. You too? Me, 2 months. 1 more month, and I go back, yeah. South Africa. Yeah. I will stay 2 months. Yeah. Kenya? Yeah. You like Kenya? Yes. You're welcome. Ok. Au revoir les Maasai, on quitte le village. Bye. Alors, que je vous explique un peu ce qui s'est passé, parce que c'est allé très vite. Déjà l'expérience dans le village des Maasai, vraiment très cool. J'ai beaucoup aimé, ouais, franchement c'était très sympa de voir un village vraiment typique comme celui-là. Des villages comme celui-là, il y en a vraiment plein autour du Maasai Mara. Et il nous a dit aussi que les animaux en fait n'étaient pas enfermés dans la réserve, qu'ils pouvaient sortir librement, et que du coup ça arrivait qu'il y ait des éléphants, des lions, des zèbres, enfin plein d'animaux qui venaient vers les villages, enfin dans les villages. Dès qu'on sort du parc d'ailleurs, sur le bord de la route, on voit des zèbres, on voit des girafes, enfin vraiment les animaux se baladent librement partout. Il reste bien sûr plus dans la réserve, à l'intérieur du Maasai Mara, mais ça arrive régulièrement qu'il y en ait qui partent à l'extérieur et qui s'aventurent vers les villages, donc que les Maasai étaient habitués à ça et qu'ils savaient comment vivre avec ce genre d'animaux autour d'eux. Une très bonne expérience, ça a clôturé en beauté ce séjour de 3 jours au Maasai Mara. Et ouais, j'ai pas eu le temps de vous faire une prise avec la caméra et de vous expliquer parce que ça s'est enchaîné très vite. On est monté dans le van. Sur le début du chemin, les premières heures, on est passé sur des routes vraiment tout éclatées, enfin des chemins de terre, ça secouait beaucoup. Et après, dès qu'on est arrivé sur la route normale, sur une route stable où ça secouait plus, je me suis écroulé, franchement. J'ai fait une grosse sieste pendant 2 heures, je crois. Le chauffeur était censé nous ramener sur Nairobi, mais vu que moi j'avais prévu de pas aller à Nairobi, je voulais aller à Naivasha, une autre ville qui est située à 2h30 de Nairobi. J'ai regardé sur la map et il se trouve que c'était beaucoup plus pratique de me poser à un endroit sur le chemin pour que je prenne un petit bus pour rejoindre la ville directement. C'est donc ce que j'ai fait. Il m'a posé pas loin de là où on a mangé ce midi, et j'ai pris un matatu. Donc un matatu, c'est un petit bus local. J'en avais pas pris d'ailleurs depuis le début du voyage. Donc première expérience avec les matatus, des minibus d'environ 10 places qui sont assez vieux, c'est des véhicules assez vieux. Et en gros le principe, c'est que ils ont un trajet, donc un point de départ et un point d'arrivée, et ils partent pas tant que le bus n'est pas plein. Donc moi j'ai eu de la chance, quand je suis arrivé 5 minutes après, on est parti parce que c'était presque plein. Et sur le chemin, sur le trajet, n'importe qui peut faire un signe au bord de la route et monter dans le matatu s'il y a de la place. Et inversement, tu peux descendre où tu veux, il peut te poser vraiment n'importe où. Donc là j'ai fait un petit trajet de une demi-heure environ en matatu, donc on est tout serré, c'est vraiment, on est vraiment entassé. J'avais mon sac sur les genoux, c'est pas le moyen de transport le plus confortable, mais ça m'a coûté seulement 100 shillings, ce qui fait 80 centimes d'euros environ. C'est ouais, le moyen de transport le plus économique pour se déplacer ici au Kenya. Et après tout ça, me voilà donc arrivé dans la ville de Naivasha. Là, il m'a posé juste au bord de la route parce que dans le van, j'ai checké un peu les hôtels, les logements que je pouvais trouver par ici. J'ai réservé un petit truc rapidement, donc j'ai repéré sur la map. Je lui ai dit voilà, pose-moi par là. Là, je devrais être à une dizaine de minutes à pied. Et pour arriver ici, depuis le Maasai Mara, ça a pris à peu près
4 heures. Donc voilà, au total, j'ai fait 5 heures de transport aujourd'hui. Bon, j'ai dormi dedans et tout, mais je suis complètement déboussolé. Honnêtement, avec la fatigue accumulée, du safari, les montages que j'ai fait, enfin, j'ai pas beaucoup dormi sur les deux dernières nuits. Là, je suis complètement... Je suis très fatigué. Honnêtement, je suis vraiment claqué. Ok. Thank you. Me voilà arrivé dans mon logement à Naivasha. Je paye ici 15 euros la nuit avec le petit déjeuner compris. Cette chambre de base, c'est donc une chambre pour 3 personnes. J'ai donc 3 lits, comme vous le voyez. Par ici, j'ai un petit coin salon avec un canapé et un fauteuil. Là, j'ai un frigo dans le fond, une télé, un bureau avec des chaises, parfait pour le montage. Et par ici, la salle de bain avec les toilettes et juste là, la douche. Et j'ai aussi une petite terrasse parce que c'est un genre de chambre en hauteur. Voilà, j'ai cet espace, ça fait un genre de petit balcon. En gros, ça fait un genre de grand jardin comme ça, avec plusieurs logements. Il y a pas mal de chaises comme ça, avec des tables. C'est vraiment pas mal. Et derrière, dans le fond, il y a aussi une piscine. Ça fait du bien d'être arrivé quand même. Franchement, ouf. Là j'en peux plus, là j'en peux plus, vraiment, je suis KO, c'est KO technique là, malgré la sieste dans le van sur le trajet, va falloir que je continue à dormir là. Je me fais une petite heure de sieste et je vous retrouve tout de suite pour une baignade dans la piscine. Après cet après-midi, vraiment très tranquille, franchement j'ai rien foutu et des fois ça fait du bien, surtout après ces 3 jours très fatigants que j'ai passés. J'ai fait ma petite sieste, je suis resté un peu tranquille dans la chambre, je pense 1 heure ou 2. Après je suis allé me poser au bord de la piscine, j'ai pris une petite bière, je me suis calé dans le jardin, enfin vraiment une après-midi à rien faire. Et c'était très appréciable. Mais il est maintenant l'heure du repas et c'est vachement cool parce que dans la guest house où je suis, il y a un petit restaurant en bas qui font à manger et qui amènent directement les repas dans la chambre si on le demande. Donc là, j'ai commandé du bœuf cuisiné avec des pommes de terre frites et des petits légumes. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Ça a l'air vraiment sympa. Le tout avec voilà, une grande bouteille d'eau pour 700 shillings, un peu moins de 5 euros. Super bon. Le bœuf est en sauce, c'est bien poivré, légèrement épicé, ça passe vraiment nickel. Et ça c'est des épinards avec des oignons, je pense. Parfait, vraiment très bon. Et après ce bon repas, il est temps de clôturer cette vidéo. Un gros merci à Oscar et Arthur, les deux tipeurs du jour. C'était une journée transport et après-midi tranquille, mais c'était quand même sympa ce matin de faire cette expérience dans le village Maasai. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le gros pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à demain pour découvrir cette nouvelle ville de Naivasha.